Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc, vidéo, on est parti pour ramasser les balles de paille. On va vendre aussi une tonne à lisier dans la vidéo. Ouais, bref, pas mal de trucs à faire. Des achats. Voilà, donc, je vous souhaite une bonne vidéo. Ok les potes, donc du coup on va vendre tout ça, donc je sais pas pour combien ça a rapporté, pour pas tant que ça, mais ok, 51 000, oh là, la tonne franchement ça valait le coup, ça 8 000 et 17 000, ok, on est à 208 000, on va acheter directement dans charrue, c'est une sous-soleuse, hop c'est parfait, comme ça. Voilà, c'est vraiment rentable, ça fait 6 mètres. C'est beaucoup plus efficace qu'une charrue qui fait 3 mètres. Ensuite, on va changer de canadien. On va prendre un canadien. Hop, soit ça. Ouais, non. Celui-là est plus intéressant. Hop, c'est bon. Donc ça, voilà, ça va pas coûter trop cher. Et je voulais acheter autre chose, mais je ne sais plus exactement. Si. Pour être bien, ce serait de remplacer le semoir. Mais va falloir attendre. Et on va, c'est pour. Je vous mets un accéléré vite fait. Je fais vite fait où on va changer 2-3 hangars pour modifier un peu la ferme pour que ce soit plus sympa. Ok, donc voilà, c'est bon, j'ai tout déplacé, on va vendre les hangars et aussi on va probablement s'échanger deux semoirs. On va prendre un semoir qui est vraiment plutôt que j'aime beaucoup. Hop. Voilà, ça c'est bon. On va vendre les deux, ils me convenaient plus trop. Enfin, je trouve ils sont un peu basiques. C'était plus si beau que ça. Du coup, on va prendre deux petits hangars sympas, donc directement c'est mon hangar préféré, voilà c'est ce fameux hangar métallique. Ok, non ça on peut pas, comment ça je peux pas le placer par contre. On va essayer d'autres hangars, hein, parce que si celui-là il peut pas se placer. Celui-là il est déjà dans l'autre, mais autrement. On va essayer de modifier, on va mettre un petit comme ça. Hop, en voilà un. Comme ça, c'est bon. Bon, ça va, il coûte pas trop cher. Ah ouais, lui, non, il coûte beaucoup trop cher. Faut pas un hangar qui soit vraiment hors prix. Pourquoi pas, sinon, c'est un comme ça. Ah ouais, mais le problème, c'est que si on peut pas placer, c'est compliqué.
Pas ça. De base, ouais, j'aurais bien. Je sais que j'avais galéré pour les mettre les premiers, mais j'aimerais pas regalérer, quoi. Hop. Donc, je vais essayer. Je vous mets une coupure le temps que j'arrive à placer un autre hangar. Ok, donc les potes, j'ai vendu des arbres, j'ai tout fait et je ne peux pas mettre dans hangar. Donc, on verra ce qu'on va faire par la suite. Donc là, on va vendre vite fait. Ouais, non. On va même pas vendre. Voilà, on va juste acheter ce nouveau semoir qui va coûter un peu au début, mais après ça va être tellement un gain de temps que ça vaut le coup. Donc hop, on va mettre une masse à l'avant en plus de ça, comme ça c'est bon. Ouais, c'est pas grave, faut faire qu'il y ait une bonne configuration. Hop. Voilà, ça c'est bon, comme ça on. En début de prochaine vidéo, je pense, on ramènera le. On ira vendre les autres ce mois. Hop, voilà, donc comme ça c'est parfait. Donc les potes, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, le petit pouce bleu et l'abonnement comme d'habitude. Puis on les potes, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao!